Yo tout le monde, c'est Arcane. Alors on est parti pour la mission Silence Radio de la campagne de Call of Duty Modern Warfare. Allez hop, c'est parti. Il y a un contrôle. Bordo, qu'est-ce que ça change? C'est barré. On fait quoi? On fonce dans le tas. Et s'il bouge pas? Alors ce sera un sacré merdier. 3 secondes. Il y a le temps. Merde, capitaine. Nicolas, il nous a sauvés. Et s'ils nous suivent? Improbable. Chef. Qu'est-ce qu'on fout là? On fait du nettoyage. Avec des femmes et des enfants? On n'avait pas le choix. C'était des otages. Quand on retire les gants, on a du sang sur les mains, Kyle. Ça marche comme ça. Alors elle est où, la limite, chef? La limite est où on veut qu'elle soit, sergent. Au final, il faut bien que les ennemis aient peur de quelque chose. On se salit et le monde reste propre. C'est ça, la mission. Maintenant, si ça vous dérange, je peux très bien me débrouiller seul. Non, chef. Ça ne me dérange pas. Bien. Trouvons à dire avant qu'il tue Markov. Une patrouille d'Alcatala. Adir n'est pas seul. Cherche toujours. Alors c'est pas trop tard. Trouvons Adir. Avant qu'il lance une guerre mondiale dans le sous-sol de Barkov. Suivez-moi. C'est calme. C'est qu'Adir a déjà pris le contrôle. Markov est peut-être pas là. Dites-vous que si. Et sinon, il viendra. Ça doit grouiller de soldats d'Alcatala. L'obscurité sera notre meilleur atout. Alors restez cachés et n'attaquez qu'en cas de nécessité. C'est comme ça qu'on s'en tirera vivant. Anna.
sortie est bloquée. Éteignez la lumière, ça devrait les distraire. Attendez qu'ils partent. Parfait, ils se séparent. Deux à droite, on commence par eux. On s'occupe des autres. C'est bon, on avance. Kyle par ici. Restez dans l'ombre pour ne pas vous faire voir. Voilà le promontoire. Voilà le complexe. Voyons ce qui nous attend. Quelles infos, chef ? Tout a l'air calme. On a du monde dans le clocher, l'église, la piscine. Descendez. Je vais monter la garde. Ils sont beaucoup plus nombreux. Vous feriez mieux de filer si ça chauffe. La piscine est au sud. J'ai éteint la lumière. On dirait qu'ils tiennent quelqu'un. Vérifiez si Adir est là. Il a peut-être capturé Barkov. Vérifiez si Adir est là. Il a peut-être capturé Barkov. قضيتنا عادلة كشعب واحد ويجمع واحد منا aucune trace d'Adir mais ils ont un prisonnier. Voyez, c'est le prisonnier, c'est quelque chose qui pourrait nous mener à Barkov. Papa, il est dans un sale état. Il y a toujours de l'activité à l'église et au clocher. Allez voir si Adir est là. Attention, il y a un véhicule technique ennemi en patrouille. Restez à l'écart. Je sais pas. Pourquoi je ne peux pas. J'ai repéré plusieurs ennemis devant. Attention, il n'est pas seul. Attention, ils ont un plus gros calibre. Tant pis.
Ils savent qu'ils se trament quelque chose. Faites-vous discret pour éviter d'être repéré. De l'activité près de l'église et du clocher. Adir pourrait être là-bas. Je vous vois plus. Vous êtes seul pour le moment. Principal.
aucun signe d'Adi. Deuxième étage, 4-5-1. Ils l'ont fait craquer. 4-5-1. Il n'arrête pas de répéter deuxième étage, 4-5-1. C'est notre seul deuxième piste. Étage. On est au deuxième étage du bâtiment principal. Deuxième. C'est là-bas. De renfort qui arrive d'un seul coup, je comprends pas. Dis-moi où il est! Tout de suite! Tu m'as parlé! On est au courant pour l'arme chimique que vous avez fabriquée! Où est-elle? Tu l'auras? Ah, mais là, j'ai envie d'attaquer partout, mais ça va pas. Tu m'as parlé! On est au courant pour l'arme chimique que vous avez fabriquée! Où est-elle? Où est le laboratoire? On est au courant pour l'arme chimique que vous avez fabriquée. Où est le laboratoire? J'ai tout mon temps. Mashift Athar Elo. Laisse Ando. C'est ce que tu veux? Minou. Il suffit que tu me dises où se trouve ma corde. Dis-moi où il est. Dossier. Tu m'as parlé. Vous on est au courant pour l'âme. Minou, n'est. Voilà. Deuxième étage, 4-5-1. Ils l'ont fait craquer. Il n'arrête pas de répéter, deuxième étage, 4-5-1. C'est notre seule piste. Rendez-vous au dernier étage du bâtiment principal. Je m'en trouverai là-bas. On se regroupe au bâtiment principal.
Je m'en occupe. Ils ont fait pour me voir. Je comprends pas, j'y tiens. Je comprends pas. Elle vient d'où cette lumière là? C'est bon, je suis dedans. Montez au deuxième étage, plus vite que ça. Je suis à Mircir, Yannick. Je l'ai pas vu celui-là. Allez, Intia. Je monte au deuxième étage. Regardez avant de tirer. Je suis en haut. Essayez d'ouvrir la porte. Je vous couvre. Ça va, il décommande. 4-5-1. On allait vivre. Allez-y. Espèce d'abruti. Où est Barco? Il est pas ici. Sa famille était là. Est-ce que tu essaies de le protéger? Non, tu nous suis. Allez. Attends, je suis pas ton ennemi. Je sais où ils fabriquent le gaz, j'ai les coordonnées. C'est l'usine chimique de Barkov, oui. Et je compte la détruire. On est toujours dans le même camp, capitaine. Pas de cette façon. Alors aide-nous. Aide-nous, je t'en prie, aide ma sœur. Écoute. À terre! Les hommes de Barkov! Prenez une issue! Par les tunnels, au nord! T'es mon prisonnier, à dire pas de conneries! La porte est coincée! Kyle! La porte est bloquée! Continuez d'avancer! T'aurais pas dû faire ça, Adir! Barkov va vouloir se venger! Sur les Russes et tout ira bien. Aide, Carrick. Je te coupe. Vous avez votre compte, sergent. Debout, on fout le camp. Sergent, jette-toi une molotov. J'en ai dans mon sac. Le tunnel est au nord. Continuez. Premier étage. Au nord.
frapper. Ça bouge, E.T. Ah, on va essayer d'éviter l'hélico. Attention, projecteur. Par les bâtiments. Continuez vers le nord, on va atteindre le tunnel. Premier étage. Ressaisissez-vous. J'ai ce que je dois faire, chef. Vous êtes là à attaquer le labo, hein? Jamais de la vie. Vous allez payer pour ça. Capitaine! C'est un aller sans retour, à dire, tu le savais. Mais vous allez m'aider, vous ferez le nécessaire, hein? Chef. Dites-moi qu'on va en finir. On a besoin de soutien, pourvu qu'on en ait. Avance! Capitaine, donne les plans à Farah, dis-lui la vérité. Vous pourrez la dire vous-même au monde entier. J'en ai rien à foutre du monde. Je l'ai fait que pour ma sœur. Pivot à 06, transport à Lyon d'approche par le sud à 180, identification retour. Reçu. C'est Laswell. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça sent pas bon. Prenez les plans. Gardez-les sur vous. Oui, chef. C'est quoi, Ferdier? C'est terminé. On va le livrer. À qui? Aux Russes. En échange de? Rien du tout. Quoi, chef? Bougez pas. Ne faites pas de scène, capitaine. Donnez-moi une bonne raison. Ça nous dépasse, John. C'est une guerre par procuration. Parlez pour vous. Allez, amenez-le. Oui, chef. Adir est à vous, les plans à moi. Quoi que vous ayez en tête, je peux vous aider. Je vous tiendrai au courant.
Je connais la chanson, capitaine. Pas cette fois. Ils ont donné à dire aux Russes. Ils vont le tuer. S'il a de la chance. Une fois de plus, le monde libre est sauvé, capitaine Price. Adir a localisé le labo de Barkov. Il est en Géorgie. L'usine de gaz. Il avait l'intention de la détruire. Adir est complètement dingue. On est tous un peu dingues, je pense. Vous croyez pas, Alex ? Affirmatif, chef. Avec ton aide, on peut finir ce qu'il a commencé. Tu es un bon ami, capitaine. Et un redoutable ennemi, j'en suis sûr. Mais je ne franchis pas les frontières, je n'envahis personne, je défends mon peuple, ici, chez nous. Mais parfois, la meilleure défense... Tout est là. Les plans, le personnel. Je vois. Une milice en lien avec l'Occident peut accomplir cette mission. Et ils blâmeraient les terroristes, n'est-ce pas? Heureusement que t'es là. Si Barkov est là, il est à moi. C'est une mission secrète pour détruire le labo de Barkov. Nikolai est à l'intérieur. Il fournira les explosifs. Deux équipes vont s'infiltrer. Garrick et moi poserons les charges sur le tuyau. Farah et Alex, Nikolai vous donnera un détonateur pour détruire la fournaise principale. Une fois les charges en place, éloignez-vous bien et faites tout sauter. Lazuel fournit le soutien aérien. Le reste dépend de nous. Troupe à découvert, c'est l'heure du pont. Demande de frappe. Envoyons un jeu pour une grande attaque. On a leur attention. Allez, restez groupés. Périmètre ouvert, Kate. On peut y aller. À partir de maintenant, vous avez les commandes de frappe. Faites en mode usage, 3-1. Compris. Merci bien, Kate. À vous de jouer, 3-1. Visez bien. Fermez.
n'a pas arrêté. Pas de passer. Ah, putain, ça va être le truc, il va être bloqué. Blindé, tu fais chier. Calme, c'est un peu calmé là. À toutes les unités. Écoutez. Code 6, on nous attaque. C'est le général Barkov, il est là. On va veiller à ce qu'il reparte jamais. Rendez-vous à mon poste de combat, immédiatement. Au sud-ouest. Attaquez-le.
maintenant. On bouge. Alliés à terre. Maintenant, on bouge. Au niveau de la variante. Allez, là tu manques un dommage quoi. J'ai eu du mal, mais j'ai réussi. C'est votre point de départ. Rejoignez Nikolai pour les charges. Mettez vos masques. Barkov pourrait se servir du gaz. Regardez. Ils ont pris le tremble. Allez, au boulot. On y arrivera. Je savais pas qu'un labo avait besoin d'autant d'armes. On va tout enterrer. Dispersez-vous. Au premier étage. À l'intérieur. Ah putain, t'es là. Au premier étage. À l'intérieur. Oh. Équipe pour l'abri. Grenade pour toi. Allez. Ouais, alors là, faudra me dire comment l'autre il m'a vu. Il a tiré avant. Monte au premier étage. À l'intérieur. Oh.
place au deuxième étage. Alex, Farah, Nicolas, dépêchez-vous, prenez vos charges. Le détonateur lancera une réaction en chaîne. La fournaise saute, le reste suivra. C'est ça, ne le perds pas. Pourquoi nous aider ? Barkov déshonore mon pays, c'est inacceptable. Спасибо, Николай. Je vais apporter le reste à Price et au sergent Garrick. On se retrouve tout à l'heure. Et l'autre pourquoi il est resté devant moi aussi. C'est pas ma guerre mon général.
c'est quoi? Bon, allez, on a un problème. Echo, ici Leader. Vous me recevez? Je vous écoute, Leader. On a repéré le général Barkov. Il se dirige vers l'héliport. Echo s'approche de la fournaise, Leader. Posez vos charges et amenez-vous. Merci. Terminé. Tu l'as entendu. Dépêchons-nous d'en finir ici. La fournaise est par ici. Voilà la porte. Je m'en occupe. Il est foutu. Je vais y aller. Et faire quoi? Enflammer la fournaise. Mais c'est beaucoup trop dangereux. Je sais ce que je fais. Farah, écoute-moi bien. C'est toi qui m'écoutes. À cause de ce poison, mon peuple subit des choses pires que la guerre. Je vais certainement pas faire demi-tour maintenant. Je te demande pas de faire demi-tour. Je te demande de me donner un ordre. Je peux pas faire ça. Commandant, allez. Je ne suis pas ton supérieur. Alors qui? Quelqu'un va devoir allumer ce feu et va devoir aussi tuer Barkov. Tu ne peux pas tout faire. J'ai obéi aux ordres toute ma vie, Farah. Mais celui-là, j'y crois vraiment. Alors donne-le-moi. Tu te bats pour la liberté, Alex. Tu es une leader, Farah. Donne-moi l'ordre. Va. Bien, dame. Bonne chance. Compris, Echo. On joue à la canalisation. C'est bon, sergent. Fini les règles, hein, capitaine. Plus aucune. Commencez par ce sniper. Thank you.
sais qu'il faut que je passe par là, mais... Ah putain, j'ai oublié d'en recharger, merde. Un truc qui me bloque là. En liaison avec Moscou tout de suite. Je me fous de leur killer, faites-le. Je répète, Barkov a décollé. Dites-leur que c'est le général Barkov. Barkov, c'est une question que je peux pas ignorer. Mettez-moi en liaison avec Moscou tout de suite. Je me fous. Karim. Wow, il s'est passé quoi là? J'ai eu un petit... Mettez-moi en liaison avec Moscou tout de suite. Chut. Je me fous de leur qu'il est. Voilà. Ah.
Elle lui a craché le visage. Excellent. Lara, qu'est-ce qui se passe? Capitaine, Barkov est mort. Bien reçu. Alex, les charges sont en place? Affirmatif. Alex. La fournaise est encerclée, je m'en sortirai pas. Alors allons-y! Merci. Avec plaisir. C'est bon, capitaine. Compris. À toutes les unités, à mon signal. 3, 2, 1. La mère patrie approuverait. Où on va? L'Urzikstan. On rentre. Bonne bière la plus proche et pas à côté. La Russie renie Barkov. C'est pas comme s'ils avaient eu le choix. Il est mort. Vous avez fait beaucoup pour ce problème, John. Pour l'instant. Mais sans surveillance. Ce sera pas le cas. Le général Shepard a retiré les fichiers demandés. C'est pourquoi exactement? Une force d'élite. Mm-mm. On a déjà des ennuis. J'y mettrai un terme. Je finance des agents, pas des hors-la-loi. Profitez bien de votre thé. Zakaev veut le trône de Barkov. J'ai failli l'enterrer à Pripyat, avec Macmillan. Ça, c'était le père. Là, c'est son fils, Victor. Chouette famille. Des grands fans d'Adir. Ah, mais ça explique pourquoi il est toujours en vie. Ils vont le faire sortir. Alors donnez-moi carte blanche. Zakaev. Vous emmenez qui? Le sergent Garrick. Gaz. Il l'appelle Gaz. Il n'a jamais rien dit. John McTavish, SAS, sniper, démolition, surnommé Soap. Pourquoi? C'est top secret. Le voilà. Simon Riley. Ghost. Il n'y a pas de photo. Jamais. Pour le reste, on va faire un marché. Sinon, je vous dis rien. Quel nom de code vous voulez? 1, 4, 1. La célèbre force. Célèbre Task Force 141 avec Soap, Ghost et Gaz. Ça, c'est une fin. Ça, en plus, on voit la création de l'équipe. C'est ça qui est bien. On va accélérer. On va voir ce qui se passe. S'il y a une petite scène post-générique, comme dans les Marvel, on sait jamais. C'est chiant qu'il est mort, Alex. Il était bien comme perso. Le soldat qui se bat pour ses idéaux. Là.
KF. L'évacuation est en cours. Alcatala a pris le contrôle de la ville. C'était tranquille avant. Plus maintenant. L'Est et l'Ouest ont rebâti Verdansk après la guerre froide. Cette coopération ne leur a pas plu. Ils ont des blindés et des armes lourdes. Des terroristes avec des chars. Qui commande ? Une nouvelle tête. Sympa. Son nom ? On ne sait pas, mais il a des amis haut placés. Ça vient des Russes. Où est-ce qu'on a eu ça ? Mon homologue à Moscou. La CIA travaille avec le FSB. C'est pas la première fois. Kamarov. Kamarov. Capitaine Price, Nikolai, t'as pas su te tenir ? Venant de toi, c'est un compliment. Écoutez, on est tous amis ici. Je te devais bien ça. Pour Beyrouth. Le sergent Kamarov va aider à conduire l'opération. Avec ses armes, Alcatala va pouvoir passer du terrorisme à la guerre totale. C'est un problème. Pour nous tous. On lance une force multilatérale pour traquer le nouveau chef d'Alcatala et prévenir cette menace tant qu'on le peut. On vient. Dites-nous ce qu'il vous faut. Et on s'y met. D'accord. Bon, en fait, on pourrait dire parce que c'est un préquel. Ok. Donc on pourrait presque dire que c'est un... Ouais, certains disent que c'est un reboot, mais je sais pas, pour moi on dirait plutôt que c'est un préquel. Un préquel à... avant les Modern Warfare qu'on avait connus. On pourrait partir sur là-dessus. Ou alors, comme ils disent, c'est un reboot complet de l'histoire, parce que entre la date des premiers Modern Warfare et celui-là, je crois que c'est pas cohérent au niveau des dates. Donc, est-ce qu'on part sur une nouvelle une trilogie peut-être de Modern Warfare ? On reprend ce qu'on avait fait avec les premiers Modern Warfare là, 1, 2 et 3, mais on le réajuste cette année, peut-être, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres jeux. Allez, ciao ciao à tous. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.